L'amour sans sexe. L'amour sans cesse. Pourquoi ? Parce que... L'amour sans sexe. L'amour sans sexe. Tout à fait. Je suis contre. Là, si du jour au lendemain, vous dites moi je veux plus avoir de relations sexuelles avec vous, qu'est-ce que vous faites ? Bon, là, elle est libérée. C'est-à-dire ? Elle s'en va. Elle part ? Ouais, oui. Elle quitte la maison, quoi. Non, quitte. Ok, sympa. Ça n'existe pas. Pourquoi ? L'amour sans le sexe. Oui. Non, il n'y en a pas encore. Mais si tu l'aimes fort, et qu'il veut plus, il veut plus de relations sexuelles. Pourquoi ? Moi-même, il veut même. Non, mais s'il veut plus ? Il va vouloir. Pourquoi il veut pas ? Pourquoi il m'a dit il veut pas ? Il n'y a aucune chance qu'elle reste, quoi. Non, mais c'est elle qui a décidé de partir. Non, elle, elle veut bien rester, mais sans relations sexuelles. Non, 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 ça ne peut pas être ici. Ok. Ouais, elle s'en va. Elle part. Non, direct. Aucune chance de rester. Non, 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 aucune chance. Si aujourd'hui elle te dit, moi j'ai plus envie de coucher avec toi, mais je t'aime. Elle peut pas me dire ça. Ah. Parce qu'il fait bien. Tu fais bien toi ? Oui, je fais bien. Il fait bien. Du coup, elle pourrait plus. Enfin, c'est impossible. Elle peut pas me laisser. Ok. Elle sait jouer bien au lit. Comment ? Elle sait bien jouer au lit là. Toi, tu joues au lit ? C'est bien joué au lit, monsieur. Sans cesse, l'amour n'a pas sa valeur. Ah ouais ? À moins que ça soit un amour fraternel. Ouais, je vois, ok, ouais. Il faudrait pas que tu dises que t'es ma meuf et puis il n'arrive pas à te niquer. Ça sert à quoi ? Effectivement. Vous cherchez quel type de garçon ou de fille ? Non, je cherche un homme voilà, qui pourrait m'aimer sincèrement. Il n'y a pas de critères en tant que tel parce que l'amour, ce sont des sentiments qui naissent un jour pour quelqu'un. Donc je ne pourrais pas dire grand détail, noir, blanc, mais... N'importe, peu importe, juste quelqu'un de qui vous aime, quoi. Ouais, quelqu'un qui m'aime. C'est beau, hein. Pour moi, le plus important n'est pas réellement le sexe. Il a son rôle à jouer, mais bon, c'est pas le point clé, quoi. Ah oui ? Si votre femme, déjà, là, elle vous dit maintenant, je veux plus de relations sexuelles jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin ? Ouais. Ah, compliqué. Mais c'est impossible ! Mais pourquoi c'est impossible ? L'amour sans le sexe, journaliste. L'amour sans le sexe. Nous, ici, là. Oui. Nous, on adore la pub. La quoi ? La pub. Elle adore gâter. La quoi ? La pine, non, la c'est quoi la pine ? C'est bête, c'est bien, c'est bête. C'est moi qui toi, c'est bête, c'est bête. C'est bête, c'est bête. Nous, on aime pine ici, oui. Non, on aime, c'est moi, on aime. C'est quoi la pine ? Non, le bon point, c'est pas la pine. C'est la pine, c'est une manière de parler. Ah, le pénis, d'accord, ok. Non, mais c'est stylé la pine. Donc là, il va falloir aller à la rencontre des hommes, quoi. Pardon ? Il va falloir aller à la rencontre des hommes, quoi. Oui, j'aimerais aller, cette fois-ci, j'ai eu encore un autre coach. Ah oui ? Ça me plairait bien. Et il fait quoi, le coach ? Il vous dit quoi ? Il essaie de m'aider avec des textes pour que je prenne confiance en moi. C'est quoi les textes ? Oui, certainement. Chaque matin, il faut dire par je suis belle, la vie me réserve des surprises, je peux encore rencontrer des gens. Le bonheur, c'est possible. Ce sont des affirmations. Il faut dire ça le matin ? Oui, le matin, au moins 21 fois. Hein ? Voilà. Ces phrases-là, 21 fois ? Oui. Et là, avec votre femme, il y a encore des relations sexuelles, ouais ? Oui, bien sûr. C'est normal. C'est bien sûr, c'est ma femme. Quelle fréquence ? Pardon ? Quelle fréquence, à peu près Bon, normal. Pas comme si je viens d'avoir attrapé une pétasse, peut-être, voilà, non. Comment ? Non, c'est pas comme si peut-être j'ai pris une fille dehors ou bien je vais me... Non, ma femme, il y a le respect. Bien sûr. Je suis belle. Je suis belle. Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. Le bonheur vient à moi facilement. Le bonheur vient à moi facilement. J'attire les hommes... Bon, j'attire des hommes qui sont bons entre guillemets. Bon. Comment ? Je ne sais pas comment je veux dire ça, mais c'est-à-dire j'attire les meilleures personnes pour moi. J'attire les meilleures personnes pour voilà, moi. J'attire les meilleurs hommes pour moi. J'attire les meilleurs hommes pour moi. Qui saura me rendre heureuse. Et quand il m'aime, il saura me rendre heureuse. Voilà. Donc déjà, la question, c'était quoi ? L'amour sans sexe. Ok. Pour, contre Je dirais pas contre. Je dirais pas contre. Oui, pour. Oui, pour. C'est faisable. Ah ouais? Non, et l'amour sans sexe? Non, arrivé, moi, il faudrait que vraiment qu'il y ait, qu'on parle de sexe. Quand même, parce qu'il ne peut pas avoir l'amour sans sexe, je pense. Si. Ah, je pense quoi? Je comprends pas. Il peut avoir l'amour sans sexe. Il peut avoir l'amour sans sexe. Attendez, vous êtes. Oui. Vous, il peut avoir ou il peut pas avoir? Je vous ai dit contre ou pas contre? Selon toi. Selon vous. Moi, je suis pour. Je mérite le bonheur. Je mérite le bonheur. J'attire les meilleures personnes. On l'a déjà dit, on l'a déjà dit. Ce n'est plus de sexe jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la fin. Enfin, terminé. Ah, non, mais il vous aime fort. Là. Il vous aime fort. Il veut passer dans son cas, il m'aime. Ouais, très fort. Vous pouvez. C'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible même. Mais s'il veut pas, il vous aime vraiment fort. Comment vous faites? Pourquoi vous le quittez? L'amour. Il prouve l'amour comment? Il prouve l'amour là comment? Bah, par des petites attentions au quotidien, petit déjeuner au lit,
petit plat le soir, petite balade, mais petit ça, cadeau. Mais ça, ça moins du riz. Hein? Ça, là, ça moins du riz. C'est ce que ça mange là, c'est ça. Mm. Donc lui, il est homme là, c'est pourquoi? Ça mange quoi ça? Ça, là, ça moins ce que lui, il a là. Ah, ce que Dieu nous a donné, nous deux là, c'est que ça moins. Hey! Au nom de quoi? Mm. Ton petit déjeuner. Petit déjeuner, c'est pour le ventre. Mm. Maintenant, l'autre là, c'est pour ça. Mm. Et ça, ça moins du riz. Ah! Ça mange pas riz. Tu manges pas riz, ça? Non, ça mange pas du riz. Oh, ça j'adore. Bon appétit. Merci, hein. C'est délicieux. Ah. Ah. J'ai pris pimenté là. Piment. Oh. De l'eau, de l'eau. Envoyez de l'eau, de l'eau. Ah, envoyez Ira, une bouteille, une boîte. Ça pique, hein? Merci beaucoup. Ah, viens, viens, s'il te plaît. Oh là là. Faut venir avec lui. Toi, tu vois pas? Pour lui. Tu vois pas la canette, toi? Non, moi, ça va. Et vous? Mais vous? Oui, je crois bien aussi. Vous, vous tombez amoureux avant d'avoir des relations sexuelles? Oui, c'est clair. Puisqu'on peut avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Bon, dans ce cas, ça serait un viol. Ne pas être amoureux de quelqu'un et puis avoir des relations sexuelles avec cette personne. Non, mais ça sera plus côté viol. Pas tout à fait, hein. Et je l'ai prostituée, oui, les prostituées aussi. Bon, là, ça va très, ouais, ça va dans différents sens, quoi. Hein. Ouais, c'est clair. Pedro, je suis en train de prendre un coup de chaud, là, vraiment. Salut. Je suis en train de prendre un coup de chaud, là, vraiment. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis la gardienne du sommeil de cette nuit. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Et elle n'aura qu'à ouvrir tout l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Vous êtes en forme. Ah, mais ça là, ça donne la vigueur. Bien sûr, vous je vois savez ça. Pas ça. Non. Sérieux? Ouais. Vous êtes puceau? Oui. Ça là. Ça, tu es un spécimen. Regarde, tu vois que tu es un extraterrestre. Toi, ta soucoupe, là, on doit aller voir. Non, tiens, un élément rare. On m'appelle l'OVNI. L'OVNI. Voilà. Non, tiens un OVNI. Merci. C'est un OVNI. Tiens un extraterrestre. Sinon, ça n'existe pas. Toi, t'es puceau. Elle a gommé le chiffre des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois. Ne veut pas dormir, oui. Ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. C'est bien. Non, ta manière me fait rire. Ah, pardon. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Bon, j'ai chanté comme ça parce que... Yeah! Yeah! Ouais, t'as des sauces, hein? Oh, ça soulage. Oh. Que vous avez pas fait la diarrhée. La quoi? La diarrhée, à cause du lait. C'est possible? Le piment mélangé le lait, c'est pas possible. C'est vrai? Oui, non. Bon, ça dépend de votre organisme. Moi, quand je prends le piment et mélange le lait, c'est possible que je vais faire la diarrhée. Oui. Mais ça dépend de l'organisme de tout à chacun. Tout à chacun, bien sûr. Oui. Et là, vous avez personne en ce moment? Ouais. Ça fait combien de temps? Elle m'a dit ça fait 7 à 8 mois. Hein. Et vous n'avez pas eu de rapport depuis 7 ou 8 mois ou aussi? Pas du tout. C'est vrai? Là, c'est vrai. Ah, là, vous êtes au maximum là alors? Ouais. Là, il faut que ça, vous trouviez quelqu'un quoi? Ouais. Plus rapidement possible. C'est vrai? Bien ouais. C'est dur là? C'est dur. Mais bon, on essaie de tenir, on essaie d'aller. Comment voilà. On fait pour tenir? Ça se passe dans la tête. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parfois, on se masturbe un peu quoi. Ah, un petit peu quand même. Mais sinon, on essaie d'aller au-delà. On pense à autre chose, on essaie de faire autre chose, s'occuper, pour ne pas avoir ces gens de pensée, voilà. Bien sûr. Ouais. Et là, ça s'est terminé pourquoi il y a 7 à 8 mois? C'est vous qui l'avez quitté ou c'est lui? Bon, on va dire qu'il est mort. Il est? Il est mort. Ah ouais, d'accord. Donc du coup,
Là, tu peux refaire, tu peux aller lutter pour qu'il revienne. Ouais, puisqu'il non, là, c'est, est... c'est pas possible, donc on fait avec. Quoi. Ok. Je te regarde parler avec les gens. Tu me sens si légère, même transparent. Je vois passer l'amour, la vie en me disant. Je ne cherche pas l'amour, je l'y attends. Il y a trop de gens qui t'aiment. Et tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne. Cet amour avec toi, il y a trop de gens qui t'aiment, qui tournent autour de toi. Pardon, c'est ça. Allez-y, allez-y. Et moi, évidemment, je t'aime à mes dépens. Il y a trop de gens qui t'aiment. Pas mal, hein? C'est bien. C'est encore une chanson un peu d'angoisse, d'amour, mais tu vois, on est dans le thème là. Hein. Dans le thème, tu veux une chanson chaude qui parle d'amour? Ouais. Allez-y, on y va. C'est incroyable, c'est, on est parti. C'est les victoires de la musique. Yeah, yeah, Momo. Ah, Momo. Ok, ok, ok. C'est okay. Oui, okay. Lui qui a le mieux garçon, Momo. Il est très en forme. Hein. Très, très en forme. Hein. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi j'ai été brisée? Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser? Comment les autres font pour être ensemble? Parce qu'il y a aussi un secret. Hein. Tu peux aborder quelqu'un, mais rester ensemble, c'est toute une autre chose aussi. Donc, je pense que... Et l'autre? Comment? Il est en couple. Mais est-ce que s'il vous dit, moi, je veux jamais de relation sexuelle, vous pourriez rester avec lui? Si lui, il accepte, bien sûr. Il accepte quoi? S'il accepte de ne pas avoir des relations sexuelles. Non, mais si c'est lui qui dit, je veux pas de relation sexuelle. Est-ce que vous restez avec lui? Il reste avec lui. C'est vrai? Jusqu'à ce qu'il dise ce qu'il veut. Ah oui, vous le forcez quoi? Il va pas le forcer. Il va pas le forcer, ça va venir. Il attend, ça va venir. Mais si ça vient pas? Ça va venir. Mais si ça ne vient pas 10, 15 ans, ça vient pas 20 ans, ça vient pas, qu'est-ce que vous faites? On crée les conditions. C'est-à-dire, c'est quoi créer les conditions? Aïe! À la cité! Quand j'ai envie de lui, je l'appelle. Direct. Il lui dit que. Non, au-delà. Tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi pour qu'elle vienne? C'est ce que je lui dis. Mais ça s'appelle Fernande. Fernande? Ouais, c'est son nom. Mais Fernande, qu'est-ce que c'est chaud, hein? Ah ouais? Fernande se voit là. Ah ouais, comme ça. Ouais. Elle vient direct. Elle vient. Oh, ça ah ouais. Elle court même pour venir même. Ah, Fernande, elle court? Ah oui! Stylé! Ah oui! Elle court, elle vient. Pour voir la bête. Ah oui, pour voir la bête. Incroyable. Ouais, mais écoutez, c'est important. C'est beau. C'est un besoin naturel. Bien sûr. Moi, il a fini de parler. Donc, monsieur, oui. Ce que nous, on a dit ici. Oui, oui. La on adore la pine. Voilà. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas de problème. Ça n'existe pas. Pourquoi? Mais j'accepte, j'accepte. Ne m'engueulez pas, c'était juste une question. Non, on sait, mais. Voilà. C'est juste une question. Pas de problème. On peut pas. On peut pas. Pas de soucis. Mais c'est la poisson. Il a tout. Il peut pas. C'est les gilets jaunes du sexe, les gars. Calmez-vous. C'est bon. Merci beaucoup. Mon téléphone, tu as vu comment ça fout là? Moi, tu n'as pas de résonance. Ça fait des. Elle a bon parent? Mais elle est sur le marché. Je dis ah, mais tu m'as dit. Oui, allô. Oui, Fernande. Allô. Oui, allô, Fernande. Oui, c'est Alex. Ouais. On dit quoi? Je suis un des Benguis, hein. Les gars, vous l'attendez ta voix là. Ouais, tu es où? Tu es où ça? Hein? Tu es où ça? Allô. Allô, Fernande. Faut parler. Le courant passe bien entre vous. Hein. Ouais, ça passe bien. Tu direct. As vu que... hein. Là, ouais, ça. Allô, Fernande. Ah, la clim un peu là. Vous sentez la clim? Ah ouais, là c'est bien. Comment sentez une femme? Pardon? Allô? Elle est en train de vendre. Elle va faire le commerce quoi. Non, elle t'a raccroché ouais. Là. Non, 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 j'ai pas raccroché. Allô? Allô? Elle a raccroché, je crois. Hein. Sinon, ça peut être éteint encore. Attends, il est lancé. Je crois qu'elle a raccroché. Elle est au marché, elle est les clients, les clientes, doit les entretiens. Parce que dans le marketing, il faut aborder les clients, il faut les convaincre pour qu'elle puisse payer ta marchandise. Elle a raccroché. Ouais, ouais. Vous avez l'air amoureuse. Hein? Vous avez l'air amoureuse. Hein? Oui, il est bien, il est tendre, il est cool.
Il a comme un blanc en fait. Comment? Il a comme un blanc. D'accord, j'ai entendu un gland, j'ai eu très peur. Non, il a comme un blanc. Tu sais, il fait les trucs de blanc. C'est quoi les trucs de blanc? Il est attentionné. C'est quoi les trucs de blanc? Ouais, quand il vient, il te prend les pieds, il n'a pas honte quoi. Il te prend les pieds? Oui. Mais il fait quoi? Ouais, il te masse les pieds. Ça, c'est un truc de blanc? Oui. Non, non, frère, non, ils font pas ça. Ils font pas ça, ils massent pas les pieds. Non, ta mère, t'es pas sur le bas. Il va. Oh non, 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 non. Ça dégage. Ah! C'est quoi les autres trucs de blanc qu'il fait? Ah, les trucs de blanc, genre, quand tu manges. Il fait quoi? Il te touche. Il te touche quand tu manges? C'est un truc de blanc, ça? Oui. Non, en France, il y a des comédiens là-bas. Ici. Quand la gonzesse vient, c'est pourquoi elle vient. Elle vient, elle boit sa bière, elle mange son attitude, direction hôtel. Ah ouais. Voilà. S'il n'avait pas d'amour, est-ce qu'aujourd'hui vous allez vivre? S'il n'avait pas de cesse entre papa et maman, vous n'allez pas exister aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Donc, moi je trouve que c'est pas bon. Et le sexe sans l'amour? C'est très bon. Ah ouais? Ouais. C'est juste qu'on ne peut pas concevoir être avec une gonzesse et ne pas la niquer. Je vous le répète toujours. Quand du moment on dit monsieur, madame, c'est que la clé de la chose, c'est le sexe. C'est comme chez nous, on dit, tu dis que tu es en train de manger, pourtant on ne voit pas ce que tu manges. Cisco, c'est-à-dire? Non, tu manges, mais on ne voit pas ce que tu manges. J'ai bien compris, merci. Raisonnable, nous voyons bien, ça t'en si par ici. Que les choses ont changé, oui, que les fleurs ont fané. Attends, je vais baisser un peu la gamme. Hein. Ouais, je passe là-dessus là. Attends, oui, c'est moi qui suis passé. Ouais. Je peux baisser la gamme un peu. Bien sûr, bien sûr. J'ai compris tous les mots, j'ai bien d'accord. Compris, merci. Oh, 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 oh. Désolé, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Vas-y, laisse un message. Un message. Tu veux laisser un message? Bon, je lui dis Fernand. Ça, je peux parler? Ah ouais, vas-y. Ouais, Fernand. Bon, c'était moi tout à l'heure là où je t'ai appelé et puis. Avant que tu raccroches. Voilà. Donc, j'ai des gens par rapport à une émission sur l'amour. Léa demandait si je t'aimais tant, si je t'aimais beaucoup. L'amour sans sexe. L'amour sans sexe. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est à l'émission que nous étions. C'est pourquoi je t'ai appelé. Et puis, bon, t'as pas pu décrocher puisque tu étais. Non, elle a raccroché, elle a raccroché. Bon, elle a raccroché devant. Et dis ce que tu m'as raccroché au nez. Ouais, bah, wow. Voilà. Donc, c'était pour ça. L'amour sans sexe. Ça, c'est l'émission à laquelle nous sommes. Et puis, je t'ai appelé et tu n'as pas pu décrocher. Elle a raccroché au nez. Elle dit, tu m'as raccroché au nez. Tu as vu, enfin. le langage qu'elle a en plat. C'est pas. Ou bien, c'est passé, tu étais déchargé ou bien, qu'est-ce qui s'est passé, style au juste? Comment? Non, c'est une messagerie. Hein. Ah, messagerie. Voilà. Tu attendais une réaction là tout à l'heure? Donc, fais un effort pour répondre à ça. Toute chose, c'est la communication. Bien sûr. Une fois. Toi et la femme, vous vous attendez mieux, secrètement, il n'y a pas de problème. Hein? Même si elle ne veut pas dans le début que tu maries une deuxième femme, au fur et à mesure, il faut savoir lui parler. Voilà, lui expliquer pourquoi. Il faut savoir l'expliquer pourquoi. Voilà, pour bien ne sûr. Pas aller te saluer au-dehors devant les yeux de Dieu, bien pour sûr, ne pas aller comme elle adulte. Ah, franchement, justement, pardon, sache que je vais prendre une deuxième femme, mais sache que c'est toi d'abord la première. Bien sûr. Et la deuxième femme, je vais toujours lui dire que c'est toi d'abord la première. Elle a le droit de te respecter aussi. Voilà. Elle ne peut pas avoir, elle ne peut pas être aussi comme toi parce que c'est toi la mère de mes enfants. Bien sûr. Voilà, tu es positionné en première position. Première position, ouais. Voilà, première position. Raisonnable nouveau, ça t'en suit par ici. Que les choses ont changé. Que les fleurs ont fané. Que le temps d'avant. C'était le temps d'avant. Même si elle raccroche à moi, je ne peux pas me raccrocher. Et puis, il y a confiance en elle. Elle a confiance en moi, moi aussi, j'ai confiance en elle. C'est réciproque. Mais elle t'a raccroché au nez? Non, elle ne m'a pas raccroché. Elle est en train de vendre. Ouais, elle t'a raccroché. Les clients sont là. Ouais. On va rester ensemble, on ne couche pas durant 10 ans, 20 ans. Ah, chérie Coco, c'est dur. Hein. C'est compliqué, ouais. Ouais, à moins qu'il me fasse des petits trucs pour compenser. Quoi. C'est quoi les petits trucs? Attends, ils sont d'où? Pose des questions. Ouais. Des petits trucs, bon, genre.
Les attouchements, tu vois, les petits attouchements, ouais, il te doigte un peu, il te lèche un peu. Ça, là, ça pourrait suffire. Ouais, là, tu peux tenir, quoi. Mais pour rien, comme ça, vous êtes là comme ça, caca, sec, sec. Ah, franchement, c'est dur. Donc, il faut qu'elle arrive à convaincre les clients pour que les gars puissent acheter la marchandise. Ah ouais. Donc, elle est dans le marché. Ok, je vois. Je viens de comprendre. Du coup, elle t'a raccroché au nez pour vendre, quoi. Non, non, voilà, pour vendre. Ok, mais elle t'a raccroché au nez, ouais. Pour vendre. Elle t'a raccroché au nez. Sinon, pas me raccrocher, non, parce que. Elle veut me tromper, mais elle fait non. Elle est en train de vendre. Non, moi, je vais parler de tromperie, hein. C'est toi qui parles de tromperie, là. Non. C'est-à-dire peut-être que tu sais qu'elle te trompe, là. Non, elle ne peut pas. Et vous avez des relations sexuelles souvent? Oui, souvent. Quel rythme? C'est pas une appel. Il n'y a pas de programme, hein. Dès qu'on pense qu'on est heureux, on va, hein. Okay. 4 fois dans la semaine, ça. 4 fois dans la semaine, ah ouais? Ouais. Ok. On vit sur le même lit. Ouais, c'est sûr. Quel que soit, à 4 du matin, quand tu tournes et puis voilà, il faut jouer ton rôle d'homme. On va pas se regarder dans le blanc des yeux, quoi. Voilà. Tu fais pas ça, tu te trompes. Bah ouais. Et tu deviens naze. Ah, c'est vrai. T'as peur de ça, toi? Non, moi, ma femme me trompe, c'est qu'elle n'est plus ma femme. Là, je n'ai pas qu'à me tromper, je suis dans l'obligation de faire ce qu'elle. Voilà. Ok. D'être régulier. Et toi, tu la trompes? Bon, si on peut dire ça comme ça, mais bon. Je sais pas. Ok. Vous êtes à combien de rapports par semaine, par. Au moins. 5? C'est-à-dire au moins quoi? Au moins 5? Ça dépend, hein. Des fois, ça dépend. C'est plus. Ça dépend. Mais ça veut dire quoi, ça dépend? Ça dépend. C'est que c'est plus souvent. Il y a des semaines là. Est-ce que des fois, vous faites où plus? On s'attrape. Oula. D'une manière. Oh Seigneur, toutes mes chansons se sont volées d'un coup. Mais je vais chanter une chanson, mais c'est une chanson triste, au fait. Oh bah là, je crois que depuis tard, c'était une chanson très triste. Hein. Et bon? Ouais. Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas d'histoire, mon âme sœur. Ça parle de l'âme sœur. Ok. Toi, c'est l'amour à fond. Ouais, je suis une adepte de l'amour. Incroyable. Oui, c'est écrit, c'était dit, c'est la vie. Allez, on fait une chanson bien. Ouais, si tu veux une chanson. Ouais, mieux. Tu aimes quelle chanson? Ben, J'aime aussi Mettre 10. Mettre jean, ça pique comme jamais, les trucs comme ça. Okay. On casse la porte, c'est la Gestapo pour bien retrouver mes Colombo, ça va vendre des tonnes à la Gustavo. Et qu'à peu près, que j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma piste, c'est la team Rambo. Après 6 ans, je mets des combos. Et ma piste. Ouais, ça fait tellement longtemps. Ben, je le sens. Ah ouais, je vois. J'adore. Quand tu vois, il voit l'amour du partage. Fais sortir le gros pied. Papa, t'es fait de moi. Champi kilo. J'avais deuxième mannequin sapeur. Et ton costume. Ça marche! Hé, Sapeur! Merci, Sapeur! Hé, Sapeur! T'es Sapeur! Famille, tu connais! Bon, alors, un dernier mot sur l'amour sans sexe. Ça existe, mais ne le faites pas. D'accord. C'est pas bon. Beau message de prévention. Il y a trop de maladies. Le VIH, SIDA. Non, mais là, c'est l'amour sans sexe, du coup. Si. L'amour sans cesse. Ouais. Pourquoi vous dites ne le faites pas, il y a trop de maladies. C'est quand il n'y a pas de préservatif, quand il ne se préserve pas. Parce que les jeunes de maintenant, ils préfèrent le faire sans préservatif. Oui, mais c'est pas le sujet là. Ouais. Le sujet, c'est l'amour sans sexe. Vous êtes fatigué, hein. Ok. Bon, nous on va y aller. D'accord. On se tient au courant. D'accord, je ne sais pas comment faire pour se tenir au courant. Ben, si c'est pas pour tenter sans des contacts ou pas, mais si c'est pas. C'est pas cool parce que très souvent quand on quitte l'extérieur, qu'on vient en Afrique, on dit quand tu vas dans un village que tout le monde saute sur un pied, arrange-toi à sauter sur un pied. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures. Peut-être que je ne sais pas quelles sont vos mesures. On vous a dit de vous méfier peut-être. Bon, là je comprends plus, hein, Fallon, je suis désolé. Là je c'est pas le but du sujet, mais je non, comprends non, plus. Non, mais là tout ça c'est encore. Non, c'est terminé là. C'est terminé. T'es sûr que c'est terminé? Mais bien sûr. J'ai oublié son nom, Isabelle. Guillaume. Ah oui, waouh. Un petit mot pour Aminata. Ma femme s'appelle Siamnata. Franchement, je t'aime. Sache que même si tu ne veux plus qu'on ait de rapports sexuels ensemble, je vais d'abord te demander l'autorisation de marier une deuxième femme. Nickel. Voilà, justement. Pour ne pas te faire du mal, pour ne pas te prendre dans le dos avec des autres filles, je préfère te demander la permission d'abord. Est-ce que je veux me marier? Et si elle dit non? Elle ne peut pas dire non parce que voilà, elle ne veut plus de ça. D'accord. Si elle ne veut plus de ça, elle ne peut pas me refuser d'aller marier une deuxième femme. Toute chose, c'est la communication. Il faut savoir lui parler.
on va te citer sur lui parler, c'est fini. Bien sûr. D'accord, Guillaume, je t'aime sans le sexe, que tu sois impuissant, pas, je t'aime toujours, quoi. Voilà. Wow. Parce qu'avec la on ne sait jamais, peut-être que ça va plus trop, mais je t'aime quand même. Hein. On peut toujours être ensemble, on est toujours ensemble d'ailleurs. On te lâchera pas. On te lâchera même pas. Même impuissant. Même impuissant, on est ensemble. C'est beau. Bon, alors l'amour sans sexe, un dernier mot, vas-y, je te laisse finir. Bon, je suis pas d'accord. Merci beaucoup. Elle a gommé le chiffre des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois. Ne veut pas dormir, oui. Ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir.